navuga ko hari amahoro iwacu mu gihe tubanye neza n'abaturanyi. Navuga ko umuntu ataba yicura yuko ahura n'ubadasangiye ubwoko. Kama naona hakuna watu wenye kushikilia silaha. Kama kuko security tutasema amani iko. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce débat sous-régional avec le Parlement virtuel. Nous nous retrouvons à Bujumbura, dans la capitale du Burundi, avec la grande famille des artisans de paix. Ils nous sont venus des trois pays de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs. Notre sujet du jour porte sur les facteurs économiques influençant la dynamique des conflits dans la région des Grands Lacs. De tout temps, les échanges économiques ont été un facteur de rapprochement des peuples et un moyen d'apprendre les uns des autres. Qu'en est-il des pays des Grands Lacs? Les échanges économiques sont-ils vraiment un catalyseur de la paix ou plutôt un facteur de déstabilisation? Sans tarder, découvrons les artisans de paix. Ils vont nous présenter les actions locales qui s'engagent à mener dans leur pays pour promouvoir la paix et la stabilité. Pour les artisans de paix venus de la RDC, nous avons M. Eric Sika qui a 32 ans et vient de Bukavu. Il est le responsable du groupe des jeunes entrepreneurs en agriculture, l'ITEA, à Bukavu. Nous avons également Mme Clarisse Mukamana qui nous vient du Rwanda. Elle a 28 ans, licenciée en droit public. Elle a été identifiée comme artisan de paix par Duhami Kadri depuis octobre 2014. M. Pasteur Bukuru, citoyen du pays qui nous accueille aujourd'hui, le Burundi, il a 49 ans, il est instituteur et a été identifié comme artisan de paix par l'organisation OAP depuis septembre 2014. Nous invitons un artisan de paix de la RDC. J'invite M. Eric Sika à rejoindre le plateau. Bonjour Monsieur Sika. Bonjour Madame. Quelle est l'action concrète que vous proposez? Je pense qu'avant de proposer des actions concrètes, il faut d'abord parler des conséquences et des causes de ces conflits qui affectent le secteur économique. En effet, la RDC, aujourd'hui, devrait normalement être le poumon économique en Afrique tout entière. Mais ce que nous remarquons, c'est que c'est un pays qui se développe dans le sous-développement. La pauvreté est devenue presque chronique et les causes qui accompagnent ces facteurs, c'est d'abord la faiblesse institutionnelle. Il n'y a pas d'infrastructure, l'État est responsable de l'étouffement de l'initiative privée, la mauvaise gestion des ressources naturelles, l'État cautionne le pillage des ressources naturelles à travers les trafics illicites et l'exploitation illicite des minéraux. Et surtout, nous remarquons qu'il y a un chômage élevé des jeunes. 95% de la population chez les jeunes est au chômage. Ce qui pousse certains jeunes à rejoindre des groupes armés pour trouver une occupation quelconque. Et cela a des répercussions sur toute la sous-région des Grands Lacs. Comme nous ne devons pas tout attendre de l'État, il y a des actions de grande envergure qui peuvent être envisagées au niveau de la base et avoir une répercussion au niveau national. Et pourquoi pas au niveau sous-régional. De telles actions sont par exemple l'engagement des jeunes en agribusiness et l'engagement des femmes dans des activités génératrices des revenus. Plus vous engagez des jeunes qui ont cette énergie-là, qui ont ces talents, qui ont cette connaissance actuelle, qui ont la technologie, qui sont innovateurs, le pays peut se développer. Et un développement au Congo va se répercuter positivement sur toute la région, sur toute la sous-région des Grands Lacs. Et il y a un cas, il y a un exemple concret, celui du groupe des jeunes entrepreneurs en agriculture de l'ITEA Kalambo, qui tous ont en commun le fait d'avoir été chômeurs. Mais ils se sont dit, écoutez, nous devons nous surpasser, nous devons éviter cette passivité, nous devons faire quelque chose. Ils se sont réunis, ils se sont bien organisés, et ils ont avancé, ils ont commencé par des petites cotisations, ils ont mis des moyens, ils ont commencé à investir en agriculture. Aujourd'hui, ils sont très loin, ils sont capables de payer leur propre salaire.
Ça, c'est un exemple vivant qu'avec un esprit entrepreneurial, tous les jeunes, toutes les femmes peuvent contribuer au développement économique, non seulement de la RDC, mais aussi de la sous-région. D'accord. Merci beaucoup, M. Sika. Vous venez de suivre M. Sika et l'action concrète qu'il propose. Que pensez-vous? Quelles sont les faiblesses et les forces de son action, de sa proposition? J'apprécie la créativité de par cette proposition concrète. La force de cette action, c'est qu'aujourd'hui, nous devons promouvoir l'auto-prise en charge des jeunes. Il est important dans la sous-région, particulièrement dans nos pays respectifs, d'investir dans l'encadrement des jeunes. Il faut transformer les victimes des conflits armés en véritables artisans de la paix et du développement de leur propre communauté. C'est dans cette logique que nous apprécions cette idée. Mais sa faiblesse, c'est que la situation sécuritaire n'est pas favorable à RDC. C'est pourquoi il faut créer, en tant qu'artisan de paix, encore des raisons, des citoyens vigilants, relais de sécurité, qui pourront ensemble dénoncer des mouvements mafieux, des trafics illicites de minerais, des mouvements qui auront pour rôle aussi de mener de sensibilisation pour vulgariser, par exemple, les codes miniers congolais, envie d'amener toute la région à se dire, si nous avons la paix et la sécurité, nous pouvons élargir des coopérations entre nous dans le respect strict de la loi. Et tout le monde peut se retrouver. Mais si nous continuons à exploiter illicitement le minerai, ce sont des conflits qui vont se répercuter sur notre territoire. Aussi, nous devons travailler dans les suivis, vulgariser les instruments juridiques qui existent, qui ont impliqué toute la région. Ici, je rappelle, par exemple, tous nos dirigeants ont signé depuis le 24 février 2013 l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs. Et sur ces engagements, on demande aux dirigeants aussi de développer le secteur économique. Ce que nous appelons à la bonne foi également de nos dirigeants pour qu'on travaille dans l'intérêt supérieur de pousser notre économie en avant. Si je peux me permettre, vous proposez la création des caisses de solidarité, n'est-ce pas? Absolument. Et la vulgarisation des outils juridiques. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Nkuko abavandimwe bo muri Congo bamaze kubivuga ngira ngo icyaba cyiza cyafasha urubyiruko rwacu kuva mu bushomeri no kwiteza imbere bikazamura ubukungu bwa Congo n'ubw'akarere muri rusange nuko batangira bibumbira mu matsinda matoya bakajya bahana udufaranga dukeya noneho bakazabasha kubona igishoro iyo bamaze kubona igishoro baba bagize accès kuri crédit mu mabanke bakaba babonye igishoro gitoya none bikaba byafasha kuzamura ubukungu bwa Congo ndetse na karere muri rusange. Murakoze. Oui, derrière vous. L'agriculture au Congo actuellement elle est différente de l'agriculture au Rwanda ou au Burundi parce que au moins chez eux il y a pas de problème de insécurité dans les milieux où on fait l'agriculture, donc les milieux ruraux, quoi. Voilà. Alors, sur ce, je crois que, suivant l'économie, il faudrait d'abord lutter à ce que nous puissions créer un mouvement de sensibilisation, surtout auprès des autorités de la sous-région des Grands Lacs qui essaient de manipuler ces genres d'insécurité. Et puis après, on pourra maintenant résoudre le problème de chômage. Parce que jusque-là, tout le problème c'est retourne toujours au niveau de la jeunesse qui n'a pas d'emploi et qui fait l'insécurité dans la région et tout et tout. Je crois que si c'est toute la jeunesse de la sous-région qui s'unit pour ça, il y aura quand même de l'impact, quoi. D'accord. Moi, je vais dire Sika, oui, à quoi la mouvière est qu'il y ait agriculture. None mwebwe mubona gutyo umugambi wiwe mubona murawushigikiye mubona woteza imbere koko aba jeunesse yaho munigiki mwo baterera nkuri yo numugambi mwiza cyane yo ndabye nini wacu mu Burundi hari cyo ikigo bita Centea cyo ni ikigo gihingura ibifungurwa nkabonye ko asanzwe arabarimye
bashaka gufata bagahingura ibarima ibigori bakabihingura ibigori bakabihingura mwifu barima amatomati bariga kuri bayabika neza bakongera bakayagurisha mu bindi bihugu barima ama ivyamwa bakabikoramwa maji ayo maji bakaca baza baragurisha ndetse wabo ninuha nini wacu mu bindi bihugu amafaranga avamwe yose acabafasha kutana bariteza imbere ico ni kintu numva kihambaye cyane ese tuko bafise n'isi ikimera bafise ibitungwa navyo nikindi kintu kiza kubongereza aho bafise isi itamera bacakwesha ya masi hama nyimba bafise inka zikamwa neza ya mata twe twibwa turagura amata avuye no hanze kwiki tutogura amata avuye muri Kongo tukaza kuza turagura amata yifu y'ibitego tutazi niyo bizanana muga tukagura amata avuye muri Kongo anako tuzatiriko turafashanya baba bandi nabo baronke amafaranga mu bace baza barisununura murakoze cyane. Maintenant je voudrais poser la question à notre orateur par rapport à votre projet d'agrobusiness. Est-ce que vous comptez ou y a-t-il déjà des entreprises de transformation des produits? Merci beaucoup pour la question. J'ai suivi avec attention les propos de madame et je comprends qu'elle est vraiment dans les domaines. Il fallait peut-être expliciter ce que nous faisons. Au fait, nous sommes sur toute la chaîne des valeurs, des 5 cultures, les soja, les manioc, les bananiers, les maïs et enfin les cultures maraîchères. Alors, ce que nous faisons, nous avons réalisé qu'en Afrique, il faut se spécialiser dans un tel domaine. L'agriculture est tellement vaste qu'on ne peut pas embrasser tout à la fois. Il faut se spécialiser. Alors, nous sommes en train de former. Parce qu'à la base, vous ne pouvez pas engager les jeunes en agribusiness sans une formation préalable. Nous sommes en train de les former sur toute la chaîne des valeurs. Oui. Alors, les formations portent sur la multiplication des semences. Nous avons réalisé qu'au Burundi, au Rwanda et au Congo, les ravageurs et les maladies ont décimé presque toutes les variétés. Alors, il y a des nouvelles variétés améliorées. Il y a des variétés adaptées à la sécheresse. Alors, ces variétés-là sont recherchées partout en Afrique. Nous obtenons chaque jour des commandes que nous ne savons pas réaliser parce qu'il n'y a pas de semences en Afrique. Alors, voici peut-être un secteur d'agriculture où il faut se spécialiser. Nous sommes dans la multiplication des variétés améliorées des maniocs qui génèrent beaucoup de dollars parce qu'un mètre linéaire se vend à 0,3 $. Imaginez-vous, nous venons de vendre 3 hectares de matériel de plantation à 9 300 $. Seulement ça. Oh, il y a encore le tubercule. Nous sommes aussi dans la transformation. La transformation des produits agricoles. Parce que pour donner de la valeur à un produit, il faut transformer et le conserver pour ne pas perdre tout son temps et son énergie pour rien. Alors, nous transformons les produits, nous enseignons aux gens. Notre approche, c'est enseigner par l'exemple. Parce que nous voulons devenir des modèles. Nous voulons montrer que les changements doivent d'abord commencer par soi. Je ne peux rien pour changer les autres, mais en changeant moi-même, les autres changent. Et c'est cet esprit-là avec lequel nous voulons transmettre nos innovations. Nous remarquons beaucoup qu'à Bukavu, il y a beaucoup de farine importée du Rwanda. Est-ce que cela n'est pas une entrave à votre entreprise? C'est vraiment une entrave parce que dans les deux pays, la politique n'est pas la même. Parler d'une faiblesse institutionnelle. Le Rwanda, lui, a exonéré tous les intrants agricoles, à savoir les engrais et tous les produits agricoles. Ce qui fait que leur coût de production est moins élevé que le coût de production du Congo. Mais maintenant, comme nous sommes issus de la recherche, nous sommes en train de faire face à cela en transformant surtout les manioc et les soja à bas prix. Je suis en train de voir une femme qui a un petit restaurant et qui paye une taxe 3 fois. Par exemple, la taxe de l'hygiène et assainissement. Il y a le service urbain de l'assainissement qui vient lui demander cette taxe. Il y a les zones de santé qui vient lui demander cette taxe. Et il y a le service de l'environnement lui-même qui vient lui demander cette même taxe. Alors, cet étouffement-là, ça ne permet pas à cette femme-là d'exceller dans son travail, quoi. Merci beaucoup. Nous allons peut-être passer la parole encore une dernière fois à notre orateur. La jeunesse, c'est la plaque tournante, non seulement de l'économie de notre sous-région, mais aussi c'est un instrument pour une paix durable dans la région. Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'à travers des activités économiques, les jeunes vont être occupés. Ils n'auront pas le temps de rejoindre les groupes armés. Ils vont avoir leur propre occupation, leur propre entreprise. Et ça va contribuer au développement de la République démocratique du Congo, mais à la paix dans toute la sous-région. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sika. Bonjour, Madame Mukamana. Est-ce que Mwatubwira action ya nous nous propose? Ok, murakoze cyane. Icyo twateguye twebwe ho mu Rwanda ikibazo kituraje inshinga ni ikibazo cy'abantu badafite akazi benshi chômage iyo chômage rero ikitera ahanini nuko mu Rwanda ahanini kubera umuco kubera ko abanyarwanda hafi ya bose 90% bose bari mu buntu by'ubuhinzi nicyo kintu batezeho amakiriro kugira ngo babashe kubaho ikibazo rero nyamukuru nuko ubwo butaka nubwo ari bwo shingiro ry'ubukungu bwacu ariko ubwo butaka ni butoya kandi nta nubwo bukoreshwa neza ikintu ryo gitera nanone ubwo iyo igituma habaho iyo chômage nuko ubwo butaka hanini bufitwe n'abantu bakuru cyane cyane abajene ntabwo babasha kugira access ku butaka bigatuma rero habaho abashomeri benshi kuko batabona igishoro kuko ubutaka mu Rwanda nibwo abenshi babateza amakiriro kandi bwa butaka ntabwo ugasanga hariho abashomeri benshi ikindi nanone twabonye nk'igisubizo twabonye kugira ngo uko kubura akazi kurangire nuko habaho ko abajene cyane cyane n'urubyiruko ko ari nabo badafite iyo capital y'ubutaka bajya mu mashyirahamwe bakajya mu bimina bibasha kugira ngo bikaba tubyita ubwishingizi magirirane kugira ngo bashe kubona credit noneho babashe kwinvestisa mu myuga cyangwa babashe gukora petit commerce babashe gukora ubucuruzi buciriritse icyo nicyo twabona kugira ngo rero tugere ku icyo ngicyo nk'aba artisans dope icyo tubona twakora twebwe tugunga kugira amahuriro inama ibiganiro noneho tugatumira abantu babashe kwiteza imbere haraho tumaze kugera harimo nk'abahinzi cyangwa abandi ba urubyiruko rwihangiye imirimo noneho tukarutumira mwayo manama bakabereka uburyo kibamaze kwiteza imbere no kugira ngo nabandi babigireho babashe guhinduka ikindi nanone kwakora nuko leta y'u Rwanda wenda nayo niyo twabisaba cyo nago wenda cyatugura mu buryo bwo kwiga hari cyagezweho ariko ntibiragera kure abantu bakabasha kwiga amasomo ababashisha kugira ngo babashe mu myumvire babashe kugira icyo basigarana ku buryo bagera mu buzima bwo hanze bavuye ku ishuri bakabasha kwihangira imirimo murakoze ntabaciyemo murakoze kukubona mwatwitabye mugabo je sinabategereye neza none mwebwe icyo mukora ni giki neza na neza kugira ngo muteze imbere mu byo mwihaye gukora icyo dukora twebwe n'ubu byaratangiye hari ama formation yakozwe cyane cyane wenda tuvuge yakozwe mu rwego rwa baritiza dope akozwe n'umushinga wenda wa Duhami Kadri organisation ya Duhami Kadri twabashe babashe guhugura abajene n'urubyiruko urubyiruko n'abagore kugira ngo babigisha kwihangira uturimo dutoya imirimo tuvuge nda nko gutegura umushinga abenshi ubu habaho na competition hari abagaragaje imishinga harimo abavuze ati wenda twebwe mu cyaro hari ibintu bihera twebwe tugiye kujya tubifata wenda tufate nk'ibyo bijumba tubikoremo ikindi kintu abagore biyangaje gufata imyenda bakayihinduramo bakayisiga amarangi ikabasha kuba nk'amabubu bakabasha kubikora harimo abayengaje gukora amaji bagafata inanasi bagafata betrave bakazikoramo ji ibyo byose ni ibikorwa ikindi abagore nabo bakiga kuboha ubu dufite n'amakoperative y'abagore ibyo byose turagenda tubikabiganiza mu biganiro
bigatuma aho ngabo bafite ubumenyi bigisha abandi kugira ngo bashe kwiteza imbere. Voilà, vous venez de suivre madame Mukamana. Que pensez-vous de son action? Birashoboka ko ibyo bikorwa urubyiruko rukora iyo yagiye muri iyo koperative cyangwa se icyo kimina gikora wenda gihinga urutoki kuko dufite amakoperative y'urubyiruko rworora inka bagatura ni n'urutoki iyo ari aho ngaho bimufasha kuba atakitwa umushomeri nyirizina nubwo yize afite diplome akaba agiye muri rya shyirahamwe abafasha gukora ibintu bijyanye n'igihe kandi akaba hari amafaranga babona bo bagabana akamufasha kugira icyo abona ntakomeze kuba umushomeri uteza ikiganza asaba uhise n'umugenzi ngo amugurire wenda carte ya telefone abe yamuha amafaranga yo kugura inkweto hoya icyo gihe aba yashubijwe kuri cya kibazo cye kubera agiye muri ya koperative aronkamo amafaranga ya mafaranga akabasha kumukemurira ikibazo niyo mpamvu nk'urubyiruko twahisemo kuba twakorera mu bimina ndetse n'amashyirahamwe murakoze wenda nakunganira abagenzi banje tumaze kuvuga bamaze kuvuka kuri ipo ya economique nubwo twavuze ku bintu biranye n'ubushomeri ku rubyiruko ntago twakwirengagiza ko n'urwanda muri rusange igihugu cyacu cyabitekerejeho kigashyiraho ikigo cy'imari cyitwa BDF icyo kigo gifasha abo bantu ariko basa n'abakoze projet noneho umushinga wabo wamara kuba bien établi bakawujyana mu mabanki noneho bakabishyurira 70% mirongo irindwi na gatanu ku ijana noneho 25% ikaba cya y'umuntu ubwo ni uburyo bwiza nabwo tugenda tubikangurira abajene kugira ngo bikomeze kwibumbira mu bibina kugira ngo babone aho bashobora kuvana izo chairs za 25%. Murakoze. Ibyo bagenzi banjye bamaze kuvuga rwose nibyo ni igisubizo twabonye mu Rwanda ko gikwiye gushyirwa imbere. Biriya nk'abana bagiye ku mashuri kwibumbira mu dushyirahamwe bakaba bagira icyo bakora bizaca ikintu twakwita gusuzugura akazi runaka. Mu yandi magambo iyo begeranye bakaba bari hariya bari mu gatsinda babasha gutangatangana udufaranga duto dutoya dukeya bamara kutwegeranya umuntu umwe akajyaza bakamuguriza akagenda akagura dufate nk'umuntu wiyemeje gucuruza wenda ingurube akavuga ati bo ngiye nkeneye 30,000 muyampe ngende ngure ingurube 5 imwe ku 5,000 ngende ncuruze nimara gucuruza ayo ndi bubone nk'inyungu ndaza nungukeho dukeya mbahe ariko nanye mbone ayo kuba nakwikuzaho umusatsi kube nagira gute bityo bigatuma ikibazo cy'ubushomeri ku bantu bageze mu ishuri kuko niho bisa n'ibigaragara cyane kigenda kigabanuka ariko kuri ba bandi noneho batageze mu ishuri nkatwe nk'abaritisan de paix tugerageza kuganira nabo muri bya biganiro dutegura uburyo tubakundisha gukunda umurimo ati guti shobora kugira amafaranga yange 5,000 aba nagenda nkagura inkoko 5 buhoro buhoro zikagenda zitera amagi zikagenda zitera amagi nkagurisha bityo nkarushaho kwigurira ipantaro bityo bizatuma ikibazo cyo gusuzugura akazi icyo ari cyo cyose kigenda kigabanuka. Murakoze. Murakoze cyane. Maintenant si on revient un peu sur l'action proposée par madame Mukamana, on voit bien que leur action se focalise plus sur la formation, sur apprendre aux gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, leur apprendre un métier. Kuri iki kibazo n'umugenzi wanjye avuze gutorera inyishu muri rusange muri aka karere mu by'ukuri buri leta ifite ingamba yashyizeho igomba gushyiraho ingamba zo kuzamura ubukungu yenda natanga nk'urugero nkatwe mu Rwanda leta ubu ngubu yashyizeho uburyo bwo kugira amashuri menshi yo kwiga imyuga bo ishyiraho ubwo buryo bw'ibigega by'urubyiruko n'abaturage ishyiraho na politiki yerekeranye n'ubwo ubutaka ari butoya
ariko iravuga iti abaturage muhinge gutya ibyo byose ni ingamba leta ishyiraho gerayo nkumva nk'uyu muvandimwe wanje tujye turarebera ku bindi bihugu ko biri gukora kuko yenda nko ku bukungu bwa bwo muri Kongo numvishe batibanda cyane ku ngamba za guverinoma ntabwo bazivuzeho cyane ariko izo ngamba za guverinoma zigeze zirajyaho turabona bwa buryo burambye bari kwifuza bwatuma abaturage barushaho kuzamuka imbere murakoze. Nous allons accueillir sur le plateau un autre artisan de paix mais à sa façon. Accueillons maintenant monsieur Martial. Bonjour, monsieur Martial. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien, comme vous voyez, nous portons bien. Vous avez suivi notre débat? Oui, mais comme vous voyez, j'ai beaucoup d'années qui ont passé. Je suis vieux, donc il faut me rappeler. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Bien sûr, bien sûr. Notre débat portait sur les facteurs économiques dans les pays des Grands Lacs. Ah, ouais. Donc l'échange économique, exactement, en quelque sorte. Exactement. Je connais très bien ça parce que moi, je suis un paysan qui vit aussi au Burundi. J'ai voyagé. Récemment, j'ai fait un saut au Congo. J'achète deux pagnes pour ma femme. J'essaie de passer la frontière. On me dit, tu dois payer la taxe. Moi, je dis combien? On me dit 40 dollars. Moi, je dis moi-même, je ne vaux pas 40 dollars. Tu me dis que moi, je vais payer 40 dollars pour les deux pagnes-là. J'étais avec un Congolais et un Rwandais. Devinez ce que le Rwandais a fait. Le Rwandais, vous savez, les Rwandais, ils sont très réglo. Ils aiment les choses officielles. Le Rwandais a payé la totalité, mais arrivé à l'autre bout, il a commencé à pleurer. Et le Congolais, il a fait quoi? Je me suis tourné. Dans cet intervalle, il avait déjà traversé. Mais je dis comment il a fait. Vous savez, les Congolais savent bien soudoyer. C'est pas vrai. Ils savent bien soudoyer. Hein? 10 dollars à côté, 10 dollars à gauche. Il est passé. Moi, j'ai réfléchi en tant que Burundais. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? J'ai pris les deux pagnes et je les ai enroulées autour de moi. Je me suis dit, OK, je vais passer. Mais le problème, j'avais la bouteille. Vous connaissez la bouteille à Maroula? C'était une bouteille que j'avais rapportée à ma femme. Parce que vous savez, les femmes burundaises, avec la maroula, c'est une grande histoire d'amour. Donc moi, on m'a dit, tu dois payer pour la maroula. Je me suis dit, non, la maroula, c'est pas vrai. J'ai dit, OK, je dois payer. Ils m'ont dit oui. OK, je vais vous montrer comment je vais payer en tant que Burundais. Je me suis assis, j'ai pris la bouteille, j'ai ouvert une gorgée, deux gorgées, trois gorgées et la bouteille était finie. Et j'ai traversé tranquille avec la maroula dans mon ventre. Donc, je suis passé avec les deux pagnes. Mais il y a des hommes qui commençaient à la jouer galant, tu vois. Ils ont cru que j'étais une femme. Ils ont commencé à dire, non, tu vas monter la première, ladies first. Parce que je portais deux pagnes. J'ai dit, non, je ne suis pas une femme, je suis juste une victime des taxes. Ben, nous allons continuer notre débat. Nous allons accueillir maintenant un troisième artisan qui nous vient, lui, du Burundi, le pays justement qui nous accueille, monsieur Pasteur Bukuru. Oui, oui. Oui, oui. Ni twabwo pasteur mba mu gihugu cy'u Burundi ngaha hafi y'igisagara umunsi kubazo bidukoranije byo kurabira ingene ubutunzi bwifashe n'ingene bufatira ko inkomoko z'amatati twavuze ko kubiraba n'amatongo itituka ryayo ukutamera kw'ayo matongo kutamira kw'amatongo bihamagara ubukene. Ubukene nabwo bugahamagara igendagenda ry'abantu bahunga bwa bukene. Muri iryo gendagenda ry'abantu bajya hirya no hino
bahitanwa n'imitego itandukanye ariyo kujanwa mu nkozi z'ibibi n'ibindi twarakiravye rero dusanga hari imvo n'imvano igituma burya abarundi dufise isi nayo nyene ikiraga n'ubuhinga bwo kurima bwagumye ari bwa bundi bw'abakera bibaye uko rero itongo twarimako na sokuru turima ibijumu n'ibiharage n'imyumbati tubivanga usanga ritakimbuka ubibonye kare agateshaguza kirukanga amaze kugera imbere akwerwa na byinshi na cyane cyane ubuharuka icyo kibazo rero tumaze kukibona twigira inama yo kuraba ingene kumbure cyo hagarara dufashijwemo n'abana bariya ajeje intwaro ndetse na twebwe baremesha amahoro ibikorwa nyamukuru dukora nivyo bwa mbere kuraba ko ubukene turimwo atari gihano ari ingaruka mbi yitituka gyisi bibe ngombwa rero ko twagerageza tugakingira yosi yacu nto tukagerageza kuyishyiramwo ibyo tuma yimbuka gusumba aha nkavuga rero ubuhinga bwo kurima tukabuhindura mu kubuhindura nabwo mu gukoresha imbuto imwe kandi robanuye kugira ku gice kimwe runaka kitongo gucyo cyo gice kiraheza kikunguka gusumba kwa ruvangatirane rw'ibyo twarimye icyo cyoko gikogwa nabande duhere kubaremesha amahoro buba karorero tukarima kijambere aho dufise hato maze babanye incitu n'ingenzi bakaboneraho kukumbure icyo kibanza gito cyavyaye umwimbo mwinshi tugata dusaba nkuko leta imaze kubikorera ko yegereza abenegihugu imbuto zirobanuye n'umwavu wa kijambere twasanze bidakwiye kuko ibiciro byawo byo ntabire y'ikizungu biguma biri hejuru tugaca tubaza dusaba leta ko yoshishikara yiyumvira ku buryo abanyagihugu bubaho mugakamanura n'ibyo biciro byo ntabire igikurikira gishoboka twasanze naho nyene bidakwiye ko naho leta yozana intabire y'ikizungu bidakwiye bidahagije biba ngombwa ko turondera ingene hovangwa mu by'uburimyi n'ubworozi ubworozi bugahamase intabire umurimyi maze umurimyi nawe akarima kuri yasi afashijwe na ya ntabire y'ikizungu ivanze n'ikirundi bigaheza bikunguka bikabyara umusaruro bikabyara umwimbo wimazeyo mu bindi nabyo kugira ngo ibintu bigende biboneka bigira bishika no ku mugaragaro abantu bakabibona ari benshi abamaze kumva uwo mugambi wo kurima kijambere turaberekana bagaheza bakaja habona bakaronka n'ubushimwe maze kugashimwe kagatuma ubundi avuga ati naje baransize ntacyo nkimaze reka nje kwigira kwa naka ndabe ko nogwiza umwembo gutyo nagwagwaruka ariko rwirukanga ruja kurondeye ibi ubuzi hirya no hino butandukanye uraheza rukagaruka rukabona ati n'uri hajya ku itongo n'agatongo gato afise karashobora kwimbuka agaheza kwiyumvira gutekana kuguma hamwe hari n'ikindi twiyumviye tuti burya itituka ry'isi kujya nabivuze rihamagara inzara mu kintu nawe tuvuga tuti mu nda harara inzara akazinduka inzigo donc nta muntu yogira amahoro kugira ngo ashobore no kuyasangira n'abandi yaraye ubusa aca azinduka arakoma induru cyangwa ajya kwiba namara kwiba baramufashe ko bamfashe rero ntibamane ku ikomine ku mutumbi wacu reka ntoroke njye kuraba iyo mpakaza mu gisagara nitwamanuka mu gisagara naho dusanga aho rwagwaruka ruhakwa kujanwa mu bintazi hirya no hino ngo kuko icyo twari turi ko dukora ku gice cy'u Burundi kugira ngo tugarukire kumbure uburimyi no kongeraho kandi ko no mu byo gukingira isi tubishyira imbere nk'abartisan dope barabwirizwa gutera ibiti bibana n'indimo tukakingi tukaca imifure imiserege kugira ngo dukingire isi yacu inkukura tukimbanya barega kugira dushyiremo ya ntabire yacu y'ikirundi kugira nayo nyine ntiyofu ubusa bizwe dufashe guteza imbere uburimyi murakoze cyane maintenant je voudrais que vous public puissiez
nous dire, selon vous, ce que vous pensez de cette action? Est-ce que, et comment est-ce qu'on pourrait la rendre beaucoup plus efficace? Ibyo bagenzi bacu b'abarundi bavuze nibyo uko guhinga kijyambere bizabafasha gutera imbere ariko nanone abarundi buriya n'abanyarwanda duhuje ikibazo ntago bajya mu buhinzi gusa kuko n'ubutaka ni butoya ahubwo bashyiraho nabo gahunda yo kuba bakwihangira imirimo bakajya mu byo gukora ubukorikori mu kuboha n'indi mirimo cyangwa n'ubucuruzi buciriritse kuko nibakomeza kureba ku butaka gusa nta terambere rigiye hejuru babona kuko n'ubundi butaka buzagera bube butoya ko nabo bari kwiyongera cyane. Ikindi nanone bakora kuri abavuze ngo bazabwira bagenzi babo bazafasha abahinzi mu guhinga kijyambere ntabwo byoroshye, ntabwo ari ikibazo cyoroshye gusa ko wahitubwira umuntu gutyo ngo abikore. Ikindi numvaga wenda n'ikindi natekerezaga nk'uko natwe ku Rwanda twabitekereje nabo bakora nuko wenda muri gahunda ya Leta abashoramari baza cyangwa izindi organizasiyo zashyira imbaraga nazo zikajya zijya hasi mu cyaro zigakora zigabasha gutuma abantu babona imirimo kandi bakabasha guhinga kijyambere izo organizasiyo bagashora imari mbese mu butaka. Murakoze. Nagomba nunganire mwene data pasteur ibyo yavuze nibyo mugabo nagomba kongera ko ikintu kijanye n'igwirana ry'abantu nivyo mu Burundi nka 95% babeshejweho n'uburimyi. Uburimyi nabwo murazi ko budafise amatongo canke isi budakunda rero abarundi turagwira mugabo isi Burundi bwacu ntibwaguka nico n'ikibazo gihambaye cyane rero kuri twebwe abarimesha amahoro icyo twofasha guhimiriza abenegihugu kwirondoka rijanye no kuvyara bake no kuvyara udushoboye kurera kuko icyo kintu kibazo gihambaye cyane aho naho twabucisha mu nyigisho aho tubaye cyane tukabucisha mu biganiro tugatumira abantu tukababwira ijya migambi yose yo abaganga mama twigishije tukayibibutsa umwe wese akihitamo uburyo yotora tukumvisha kandi n'abanyamashengero kuko kuri uwo mugambi wirondoka bwiza abanyamashengero bacu ntibaravyumva neza kuko leta yo iragerageza mugabo nabo baca bavuguruza leta twosaba ko leta n'amashengero kuri icyo kibazo cy'igwirana ry'abantu bovyumva kumwe ntibavuguruzanye. Murakoze. Nivyo murakoze. Hari ukuntu twigisha abakenyezi ugasanga utura tuntu bavuga ngo ingurane ikirimba sinzi ko mu Rwanda ikirimba nk'ubunya ugasanga umumwe wese ashoboye agatahe k'ibihumbi ijana amajana abiri ukwezi kose ashobora kuba arose ibihumbi amajana atanu cyangwa atatu gutyo nimba uno munsi byabaye ku mutumba runaka tugaca duhimiza kuza gukorera ahandi ku wundi mutumba. Ikindi ino mu Burundi dushumbije abo bandi maze kumva bavuze hariho uturima two mu kigo twinda ko umuntu asonza yikora ko nko mu gihe abuze ikintu agabura abana tubatera amashu irengarenga ibiharage canke ibitunguru gutyo umukenyezi akaronka ikintu agaburira abana babo ataza kugenda gutega amashi ngana hanya. Ariko ikindi nosaba rwose numvise abo abajasukiya mu Rwanda no muri Congo hari ikintu je ntashobora gutahura rwose bavuze ko bakora amashirahamwe mbese mukorera hamwe canke muragiza kwigisha iyindi mitumba canke ubundi bucimbiri gutyo nimba mu mugi canke mu cyaro hariyo mu Rwanda ko bavyita
gukorera hamwe mukaza gusabikanya n'abandi ikindi hamwe wasaba nuko twumvise amashira hamwe y'ikongo ingena kora neza cyashye abajene ugaruka muri kyamutungo yaze n'ukuri ni yaba twabyashoboka yaba twari dushize hamwe twari twamaze kumyerana twozana natwe ubwo abajene aya mashira hamwe yo mu Rwanda y'ikongo bakaza kwigisha ino ugaruka rwacu. Lors de notre voyage vers le Burundi, j'ai réalisé que il y avait l'intensification de l'agriculture. Plus précisément, ils ont planté beaucoup de maïs. De la frontière jusque vers Chibitoke, vers la capitale, j'ai vu beaucoup de maïs, j'étais très content. Mais ma plus grande surprise, vers la capitale, j'ai trouvé une multinationale, Azam. Alors j'ai compris que tous ces maïs-là voudraient servir. Alors j'ai bien peur que les terres qui devraient servir pour la nourriture que nous mangeons ici au Congo, que nous mangeons au Rwanda, les terres soient occupées par les maïs qui vont servir à l'exportation. Ça, c'est une première crainte. Mais aussi, quant à la question de savoir comment est-ce qu'au Congo nous faisons si nous sommes organisés, la sensibilisation, nous la faisons comment? Nous avons compris qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent beaucoup plus les médias sociaux. Nous utilisons ces médias sociaux pour communiquer ce que nous faisons, pour qu'ils puissent aussi suivre nos pas. C'est-à-dire que ce que nous le faisons pour ces communautés. Les petites actions que nous sommes en train de mener, c'est pour que ça puisse profiter à l'ensemble de la population. Alors, la sensibilisation de porte à porte à travers les églises ne va pas suffire. Nous sommes en train de vouloir que le monde entier puisse savoir ce que nous sommes en train de faire, les actions. C'est ainsi que j'invite tout le monde à utiliser les médias pour que la communication soit réellement effective. Et la dernière recommandation, c'est qu'au Burundi et au Rwanda, pensons d'abord à nous autosuffire en ce qui concerne l'alimentation avant de satisfaire les besoins des autres pays. Merci. Je voudrais, nous, artisans de paix, que nous puissions nous engager à mettre un programme de voyage, d'échange d'expérience au sein de nos différents pays de la sous-région, afin que nous puissions relever le niveau de vie des femmes ainsi que des jeunes, que chacun de nos jeunes et de nos femmes de différents pays puisse aller voir, tirer, pour afin à la longue d'améliorer tout ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la clôture de notre débat. Si on regarde bien ce qui est revenu tout le temps, on voit bien que l'agriculture est un énorme travail à faire ici dans la sous-région et apparaît comme le pilier du développement. Dans tous les projets, que ce soit au Burundi, au Congo ou au Rwanda, on a vu que la plupart se focalisent sur comment améliorer le rendement de la terre, comment améliorer la production, notamment avec le projet qui nous vient du Congo, business, agro-business, où là il s'agit de la multiplication des semences, de la production, de la transformation alimentaire, notamment aussi au Rwanda, c'est pratiquement la même chose, où là on va chercher des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école pour leur apprendre des métiers, comment améliorer le rendement de la terre. Voilà. Merci beaucoup de votre participation à cette émission. Et pour la suite, la collecte de vos avis sur les échanges économiques entre ces deux pays continue sur notre page Facebook qui est Paix au-delà des frontières. Vous pouvez aussi nous écrire sur parlementrégionalvirtuel@gmail.com. C'est ainsi que s'achève notre débat avec le Parlement régional virtuel. Nous vous fixons rendez-vous dans un prochain numéro.